Évidemment, on parle des deux partants de l'écurie dans le quintet de vendredi. Tout d'abord, Guinness d'Air Frais s'est montré fautif dernièrement dans un lot bien composé. Ouais, c'était un bon lot, il y a beaucoup de train et le moment n'était pas dedans. Voilà, j'ai pas voulu trop la démarrer et j'étais pas dans la course dès le début. J'ai fait la faute. C'est peut-être un mal pour rien, ça a été une course très dure. Oui, Phebson s'imposait en 11-8, c'était très difficile de suivre. Ouais, non, il y a beaucoup de trains et puis non, je n'ai pas démarré, j'étais trop loin. Donc là, je retrouve de bonnes conditions que des femelles. Maintenant, il y a quand même des bonnes juments. Mais si c'est la vraie Guinness d'il y a quelques semaines, elle devrait finir dans le tiercé. De bonnes juments, notamment grâce du Dijon qui l'a souvent devancé. Oui, j'ai jamais pu la devancer, donc j'aimerais bien. Mais si on finit pas loin d'elle, ça voudrait dire qu'on va pas être loin de la vérité. Déférer des antérieurs. Ouais, derrière, plus trop de pieds, donc mais c'est pas un gros changement. Et pourquoi elle ne montrerait pas le visage qu'elle avait montré en début de meeting? Je sais pas. Donc pour plaire avant le coup, pour terminer dans les 3-4. Ouais, voilà. Si elle est 3e, elle aura rempli son contrat.